douter probablement. Oui. On est passé du orange au rouge. Alors, ça veut dire que le niveau de risque de transmission communautaire est encore plus élevé, ce qui implique nécessairement que, en zone rouge, comme on vous l'avait annoncé précédemment, pour limiter les dégâts à cause de ce grand risque que représente la transmission communautaire, ça va pas bien à la région, vous le savez. Nos deux hôpitaux régionaux sont pas mal touchés de plein fouet par la COVID. Dans notre MRC, toute proportion gardée, on est les champions là, au niveau de la COVID. Là. C'est pas un bon titre. Donc, c'est pour ça qu'on va nécessairement fermer au niveau des célébrations, des célébrations eucharistiques, c'est certain. On va faire ça via le web. C'est sûr que quand on est dans le rouge, vous le savez aussi, comptez-vous, là, en ce moment, là, on est plus que 25, hein? C'est ça, c'est 25 qui seraient permis d'accueillir en zone rouge. Alors, pour toutes ces raisons, bien, on aimait mieux fermer que de refuser du monde en bas, parce que ça aurait fait plus, je pense que ça aurait fait plus d'insatisfaits que de satisfaits, en quelque part, parce qu'on aurait refusé plus de monde qu'on aurait laissé rentrer. Alors, c'est pour toutes ces raisons que vous comprenez sûrement pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc, je n'ai pas besoin de m'étendre davantage sur le sujet. Par contre, au niveau des funérailles, c'est un service essentiel, les funérailles. Même si on est en zone rouge, on va tout de même continuer le service des funérailles. Les gens qui sont en deuil méritent qu'on les accompagne, méritent qu'on les soutienne, qu'on ne les laisse pas en plein comme ça. Alors, c'est pour ça que nous allons continuer au niveau des célébrations de funérailles. Il avait été annoncé qu'il y aurait une célébration demain pour la commémoration des fidèles défunts, à 16h, donc demain. La célébration n'aura pas lieu comme d'habitude, parce que demain, on est vraiment officiellement dans le rouge à partir de demain. Mais on va la faire via le web. Alors, celles et ceux qui veulent y assister sur le web, via notre page Facebook, vous vous connectez, puis vous allez pouvoir être avec nous virtuellement. C'est pas la meilleure des solutions, mais c'est mieux que rien, comme on dit. Hein? Alors voilà, alors je vous remercie beaucoup de votre collaboration et de votre compréhension. Je sais que c'est pas facile, mais on est en communion de par notre manière d'agir les uns avec les autres. Plus on agit dans le sens d'être ensemble dans les mesures, plus on limite les dégâts. C'est surtout les gens, je pense, qui désobéissent aux règles sanitaires qui font que le processus est plus long et que ça s'est empiré l'affaire. S'il y a juste 15% de fuite dans une piscine, la piscine, elle se vide, c'est pas long. Hein? Alors, c'est une image qui illustre bien, je pense, ce qui est en train de se passer. Si on était à un vase clos, il y a trois semaines, puis c'est fini, on n'a plus de COVID. Et à cause de la fuite, bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Fait que je vous invite à la prudence et à respecter les règles sanitaires et à être prudent, parce qu'on veut vous retrouver en forme, en santé la prochaine fois qu'on va se voir. Eh bien, prenez soin de vous. Je laisse la parole à Maryse pour le mot d'entrée. Merci, Maryse. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je veux juste vous dire un petit mot pour garder confiance et espérance, parce qu'on n'est jamais seul. Le Seigneur est là. C'est lui la lumière du monde. Alors, gardons espoir. Oui. Alors, bon, il y a le nom Jésus-Christ au cœur de notre assemblée. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de
Bien sûr que les prochaines semaines, on ne se verra pas, mais ça ne nous empêche pas aussi de demeurer en communion de prière. Moi, je trouve ça important d'être en communion les unes avec les autres. J'en profite aussi pour saluer les personnes qui nous écoutent sur le web. Elles sont toujours nombreuses à nous écouter. Merci d'être là. Et nous pourrions unir notre prière, bien sûr, ce matin, avec toute la communauté de France, Nice particulièrement aussi, où il y a eu des attentats, des assassinats. Alors, unissons-nous en communion avec toutes ces personnes. Québec aussi. Ah, cette nuit aussi. Tu vois, hein, je ne savais pas. Bon, alors voyez-vous, hein, je pense qu'on peut s'unir. Particulièrement avec toutes ces personnes, incluant le Québec. En ce jour où nous honorons les saints et les saintes du ciel, nous nous rappelons aussi notre vocation de baptiser. Pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie, invoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la lumière du Christ, qui nous pardonne nos péchés et nous conduit à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes et aux prières. Nous te louons. Tu nous donnes de célébrer dans une belle fête la sainteté de tous les églises.
Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponse à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen. » Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Le psaume. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Deuxième lecture, nous verrons Dieu tel qu'il est. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Avec vous. Et avec l'Évangile de Jésus-Christ selon
Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseigna. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils obtiendront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Comme on se le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes dans un contexte difficile et pas toujours facile de vivre, d'être heureux, heureuse. Et ce matin, ben Jésus qui nous parle de bonheur. Bienheureux les pauvres, les faibles, bienheureux vous qui pleurez, vous qui êtes éprouvés, peut-être souffrant dans votre corps. On pourrait se dire, Jésus aurait-il une autre définition du bonheur que la nôtre? Qui ne veut pas être heureux? Qui ne cherche pas le bonheur? Et sur la montagne, ce jour-là, Jésus félicite les pauvres, les miséricordieux, les assoiffés de justice, les artisans de paix, et même les persécutés. Pourquoi les déclare-t-il heureux? Chose qu'on peut se dire, Jésus qui n'aime pas la souffrance. Il a toujours cherché, tant qu'on lit l'Évangile, on ouvre la parole, il a toujours cherché à la soulager, qu'elle soit physique ou morale. Et c'est vrai que la maladie physique s'ajoute à certains jours la solitude. En temps de pandémie, il y a beaucoup, beaucoup de personnes seules. On perd nos activités. Les contacts entre nous deviennent plus difficiles, plus rares, même avec leur propre famille. Alors oui, le goût d'une présence, comme nous rappelait tout à l'heure Marise. Bien surtout cette souffrance, et moi je le sens autour de moi, de sentir ses limites. Pour une première fois, une fois de plus, et aussi de pouvoir les accepter. Dans ces moments-là, comme nous rappelait Marise, Jésus qui nous rappelle toujours sa présence. Il n'est pas confiné,
il est avec nous. Aux pauvres, il n'apporte pas d'argent. À ceux et celles qui pleurent, ben, il n'organise pas de fête non plus. Qu'est-ce qui nous apporte? Deux choses. L'espérance, parce qu'on pourrait remplacer ce matin le mot « bienheureux », mais selon plusieurs traductions, par le mot « en marche ». La vraie traduction, si je me trompe, c'est plus proche de l'expression « en marche » que « bienheureux ». En marche, ceux et celles qui pleurent. Ça veut dire de continuer notre route, notre chemin. Donc, l'espérance et aussi la confiance de sa présence. Puis l'autre aussi, une autre chose importante, c'est que le bonheur est possible aujourd'hui, non pas demain, non pas seulement parce qu'on en parle dans les conférences de presse avec le gouvernement de Noël. Hier, on a passé l'Halloween, c'était l'Halloween. On parle déjà de Noël. Comment est-ce qu'on va vivre à Noël? Mais le bonheur est possible ici, aujourd'hui, dans le moment présent. Mais dans la pauvreté et la souffrance. La pauvreté, la souffrance, la soif de la justice, creuse, vous l'avez mentionné, un grand espace que Dieu seul peut combler. Nous n'avons pas à attendre à plus tard pour être heureux, à cause que le Seigneur est présent dans notre vie. Quand nous aimons, vous savez, nous devenons pauvres. Nous apprenons à donner de notre temps, notre savoir, notre cœur, et parfois de nos biens. Et nous acceptons aussi de recevoir des autres, de l'amour, de l'affection, des conseils, des questions. Alors c'est ça, aimer. Aimer, c'est devenir pauvre parce qu'on donne tout, de soi-même, notre disponibilité, de toute notre personne. Et si nous avions un visuel, on aurait pu le symboliser l'amour par un cœur, une porte ouverte. Alors moi, j'ai le goût de dire merci. Merci au Seigneur pour son amour. Merci pour le Dieu des béatitudes, qui est du côté des pauvres de cœur, le Dieu qui nous veut heureux, ici et maintenant. Alors portons cela dans notre prière. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, et à Père du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, elle est née de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, elle est morte et est ensevelie, elle est descendue aux enfers, le troisième jour, elle est ressuscitée de mort, elle est montée aux cieux, elle est assise à la droite de Dieu le Père. Avec les saints et saints qui se tiennent debout devant le trône de Dieu, nous faisons monter vers le Père nos prières de supplication pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Dieu très saint, fais nous voir ta lumière. Pour la personne qui dirige les nations de notre monde, afin qu'elle s'ouvre à la présence de Dieu et se laisse guider par sa parole, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais nous voir ta lumière.
Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnel soignant, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse et de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apporteront la consolation, prions le Seigneur. Pour les gens qui doutent ou qui sont plongés dans la nuit de la foi, afin qu'ils rencontrent sur leur route des baptisés qui leur reflètent la lumière du Christ, prions le Seigneur. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage des béatitudes à la suite du Christ, prions le Seigneur. Et prenons quelques secondes de silence pour prier les uns, les unes pour les autres. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes et nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, qu'elles soient accueillies et portées avec celles de tous les saints et les saintes, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre bonheur par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons notre cœur au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Amen. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir avec son grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et nos sœurs, les saints et les saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière, ces enfants de notre Église, que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, et avec tous les anges du ciel, nous pouvons te bénir en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais la grandir ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de son œuvre. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous portons dans notre cœur M. Robert Audibert. Nous prions aussi pour M. Georges-Henri Meynier. Les funérailles auront lieu mardi le 3 novembre à 10h30, ici, en notre église.
Madame Micheline Tremblay, les funérailles auront lieu vendredi prochain, le 6 novembre à 10h30, à l'église Saint-Pierre. Madame Marie Simard Dolbec, les funérailles auront lieu samedi prochain, le 7 novembre à 10h30, ici, en notre église. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sonotus, et tout enfin, j'interromps ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, tous les saints et saintes de chacune de nos communautés qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le bonheur est possible, aujourd'hui et maintenant. Ouvrons notre cœur et disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est vrai que nous avons bien besoin de prier pour la paix ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne garde pas le péché, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et continue à faire des effets parfaits, pour accueillir les siècles et les siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Agneau de Dieu. Comme rappelle la première lecture, l'Apocalypse, c'est un beau livre d'espérance. Les saints et les saintes qui sont dans ce très, très beau pays de la résurrection, ils sont présents avec nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je sois digne de recevoir la seule parole que je serai guéri.
suite à l'annonce que je vous ai faite au début de la célébration, je voulais simplement ajouter quelque chose. En fait, ce que je voulais vous dire, si jamais vous avez besoin de parler, vous avez des questions, vous avez des... peu importe, les membres de l'équipe de pastorale, on est là pour vous. Alors, vous ne vous gênez pas, vous prenez le téléphone, vous appelez, puis on va faire notre possible pour être bien disponible, pour vous écouter, pour échanger avec vous, selon vos besoins. Alors, je vous remercie. On peut se lever pour la bénédiction finale. Et si jamais il y a des personnes qui ont besoin aussi de vivre le sacrement du pardon, vous nous rappelez aussi ou de l'écoute, alors téléphonez-nous, téléphonez-moi de ces messages, qu'on va organiser une belle rencontre ensemble. Prions le Seigneur. Dieu qui serait saint, toi que nous admirons et adorons, en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous as sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin, au banquet préparé dans ta maison par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix. Merci, souhaite une belle journée. Bonne semaine. Allez nous manquer. Allez nous manquer.